Tous les yeux sont rivés sur Paul Pogba depuis que son frère Mathias a publié une vidéo dans laquelle il promet de grandes révélations, qui pourraient définitivement nuire à la réputation et à la carrière du footballeur français. Si Paul Pogba avait déjà déposé une plainte il y a quelques mois pour tentative d'extorsion de fonds, le sportif est aussi la cible d'un chantage de longue durée. Le joueur avait auparavant été menacé à l'arme à feu par plusieurs hommes, qui lui ordonnaient de leur donner 11 millions de dollars. Si est-il la raison pour laquelle Paul Pogba a fait un versement de 11 millions de dollars à ses maîtres chanteurs? Problème, celui-ci a été refusé par la banque car il dépassait le plafond maximal qui lui est autorisé pour les virements, à savoir 85 000 euros. Il a essayé de verser la somme totale, mais ce n'était pas autorisé par la banque, a appuyé la police. Mathias Pogba, quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi. Paul Pogba est au cœur de la tourmente médiatique depuis la vidéo de son grand frère Mathias, lui aussi footballeur, dont il était très proche avant. Il n'est pas question d'argent, tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, s'est-il exprimé sur les réseaux sociaux à la suite des réactions à sa première vidéo. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre, a-t-il poursuivi. Selon les allégations récemment révélées sur les réseaux sociaux, Paul Pogba aurait cherché à nuire à Kylian Mbappé, en faisant appel à un marabout. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi, s'est-il adressé aux joueurs du Paris Saint-Germain, lui précisant qu'il n'a aucun problème avec lui.